Salut les amis, c'est CyrusOfficeL17. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la suite du Horizon Zero Dawn Complete Edition. Alors, on était arrêté par ici, on était en train d'aller en direction de par là-bas. Oups, voilà. On est parti. Voilà. On a du beau monde. Un crasheur. Ok. Ça. Alors, par rapport aux dernières fois, nous sommes passés en HDR. Ce qui change quand même pas mal l'expérience visuelle, je dois avouer. Avec moi, ne détruisons pas tout, hein, quand ils sont avec moi. Donc, fidèle destrier, enfin, fidèle, je sais pas, mon destrier pour l'instant. Alors, je sais pas quel rendu cela va donner sur l'écran. Alors on va tester. Donc là pour l'instant, hop, je suis en format HDR. Donc on va prendre les couleurs. Ah, pour le coup, on va rester sans le HDR car je vois que sur votre vidéo, l'image lorsqu'elle est en HDR est beaucoup plus claire. Je me retrouve avec une belle image, mais avec une image un petit peu fade. Alors. Le creuset Sigma. Ok, le creuset. Oula. Oula. Je me rappelle pas qu'on avait une corde aussi longue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Salut, bienvenue chez Skynet. On va attendre le T-800 qui débarque. Ok, je vais occuper une machine. Cœur de veilleur. Là. Et de deux. Avançons un petit peu. Je ne sens pas là, du coup, on reste pas comme ça. Thing in the gap. What does it do?
Le pont organique. Pas forcément ultra rassurant tout ça. Tout qui s'allume quand on passe. De vie on récupère hein. Une mer qui s'allume toute seule genre comme un vaisseau fantôme là les épaves qui rate un petit coup. It looks like those flying machines move components around. Might be able to take me somewhere. Alors, pour l'instant, nous tournons sur du 3840 par 1080. Hein, le 5K tourne à 40 FPS déjà dans ces conditions-là en graphisme ultra, donc en ultime, comme ils appellent ça. Je devrais pouvoir changer ça étant donné que j'ai déjà précommandé une 3080 qui devrait arriver le 24 septembre. Alors, pour ceux qui le souhaitent, le modèle de chez Asus Strix est en précommande sur Amazon à l'heure actuelle. Hein, les Thunder Edition seront disponibles à partir du 17 septembre. Selon les premiers benchmarks, si ça intéresse certains, on se retrouve avec du 76 FPS en 4K sur Horizon Zero Dawn, donc avec tout à fond. 4K, donc ça veut dire que je pourrais maintenir un peu plus des 60 FPS constants en ultra, donc ça devrait être sympa quand même. J'ai eu quelque chose à récupérer là-haut. Enfin voilà, donc pour ceux dont les modèles custom des 3080 intéressent, les 3080 et 3090, hein, soyons pas jaloux, de la marque Asus Trix sont déjà d'ores et déjà en précommande sur Amazon. Livraison estimée au 24 septembre. Je n'ai pas pour l'instant indiqué au 17, hein, donc je peux dire que mes 17, sauf sûrement les Thunder Edition. On se trouve avec quoi d'autre comme information? Le 3080 de chez Asus est en précommande au prix de 804 euros, hein, on va arrondir, 804 euros chez Amazon. Et 1588 euros pour la 3090. Voilà. Donc après, je ne sais pas à quel tarif seront les autres, sachant qu'on avait pour les premiers. Voilà. Sachant que les premières informations sur la SUV qu'on avait pu trouver sur le net indiquaient un tarif de 899 euros, Amazon la propose à 804 euros, donc en précommande au prix le plus bas. J'ai quand même précommandé au cas où, histoire de ne pas me retrouver avec. Je peux économiser 100 euros, hein. Soyons fous, hein. Cependant, le bonus, le jeu pour la précommande, donc Watch Dogs Légion n'était pas proposé. Étant donné que le jeu est offert pour toute précommande à partir du, enfin, tout achat entre le 17
septembre et le 31 octobre, il me semble. Donc, on est avant la période de commande des cartes et de sortie. Normalement, on part sur le site qui propose la précommande. Même Nvidia Access Foundation ne propose pas de précommande à l'heure actuelle. Sachant qu'ils ont même demandé pour les benchmarks aux personnes, aux testeurs, de ne pas les publier avant le 16 septembre, soit la veille de la sortie, ce qui ne sera très peu de temps pour ceux qui souhaitent faire des recherches ou approfondir par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc les 3090 n'étant pas encore reçus, il me semble, hein, je précise, je ne suis pas sûr, n'ont pas encore été reçus par les testeurs, sachant qu'elle sort le 24 septembre et c'était logique que 3080 arrive en première. Vous aurez donc, si vous voulez vraiment l'acheter le jour J, pas énormément de comparaison. Sinon, il va falloir vraiment vous prendre la veille. C'est pour ça qu'elles ne sont pas précommandables normalement chez aucun revendeur, excepté Amazon. Donc, chez Amazon, on fait des miracles. En tout cas, pour en revenir à ce petit jeu, ça a l'air vraiment d'être une merveille. Honnêtement, graphiquement, il est vraiment très beau sur le PC. Le 32 millions va avoir vraiment une grande touche d'immersion. On peut pas nier que cet écran fait de l'effet. Jusqu'à là, ça va bien. Fait de l'effet, vraiment une bonne part d'immersion. Pour ce jeu, on peut monter par là. Ben voilà, je me suis pris la tête pour rien. J'aime bien de faire un peu d'escalade. Je me propose des choix comme ça. Hein. Merci, on n'a pas le choix. En tout cas, en ce qui concerne la concurrence, également pour revenir au cas pratique, AMD a donné sa date d'annonciation courant octobre. Donc, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est le 27 octobre qu'ils annoncent leur cas graphique afin de pouvoir concurrencer Nvidia. Donc, c'est vrai qu'ils prennent un petit peu de retard. Comparé à ça, c'est un petit peu étonnant qu'ils n'ont pas voulu réagir assez rapidement et laisser un mois d'avance à leurs concurrents, surtout sur ce segment, à moins que le produit n'ait pas tout à fait abouti, qu'il y ait quelques réajustements tarifaires, comme sans doute un petit peu, ils vont réajuster un petit peu leurs tarifs pour être un peu plus compétitif par rapport à Nvidia qui est vraiment très compétitif au niveau tarif sur leur gamme actuelle. Une 3070 plus puissante qu'une 2080 Ti à 519 € au lieu de presque 1300. Hein. C'est vrai que de ce côté-là, ils ont été vraiment très agressifs. Et la 3080 est proposée à un prix inférieur que la 2080 à sa sortie. Ce qui Nvidia devait réagir étant donné que AMD. Étant donné que côté processeur, c'est bien relevé. Au niveau carte graphique, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Intel arrivant également dans la course aux cartes graphiques, donc au processeur graphique. Avec deux concurrents sur le marché, Nvidia devait faire un petit effort sur cette série. Et elle nous a bien montré qu'elle était capable de faire des efforts et surtout de nous proposer des produits. Avec des performances sur le papier, on attend encore les benchmarks vraiment un peu plus poussés, étant donné qu'on a eu quelques petits benchmarks avec quelques petites infos. Hein, bon, certains jeux, on atteint en 4K avec du DLSS, par exemple sur Shadow of the Tomb Raider, ce n'est pas un jeu récent, mais les 100 FPS, ce qui est vraiment pas mal pour une carte de cette gamme. La technologie DLSS apporte vraiment un petit plus. Ah, je pense que ça c'est notre boss. Donc à voir, avec aussi l'ajout de Nvidia Broadcast, parce que tout ce qui est streamer et enregistrement de vidéos
à mon avis un petit plus. Et bien sûr tout ça sera à voir étant donné que ça sera déployé que pour la sortie des prochaines cartes. Ça m'a l'air d'être le petit boss. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Oh, du violet! Du violet, du violet! Bobine déjà! Un petit peu à progresser niveau step. Hop, le plus dernière zone. On touchera. Ça. Ok, donc oh. Ah d'accord, ok. Un truc, c'est du casque qu'il y a dans le bec. Résistance au feu, c'est le gel. Ah bah ouais. Si je me prends complètement dans. C'est que justement bobine dégâts de l'angle. Parce qu'il n'a pas été vers là. Ah si ça devait être. Je pense que... Il reste aligné. Ok, ok. Et là ça sera des bobines de production. Hein. Non, c'est pas ça. Ah, on vient de faire un hack. On vient de hacker en fait, d'accord. Point de compétences, XP. Ok, donc ça en fait, ça me donne. Voilà. 6 Sigma. Et il me donne.
On gagne plus des informations pour pirater de nouvelles machines. Ça c'est cool par contre. Ça c'est cool. Alors, où est-ce que je vais aller, tiens. Donc, on va aller dans la ville corrompue là. Ah, bah tiens, on va aller par là-bas. Hein. 14. Allez, c'est parti, let's go, mes amis. Voilà. Traverse le temps. C'est à la poursuite de la chance, faut que nous voir. Ok, on va récupérer un petit feu de camp ici, c'est sympa. Hop, voilà. J'en ai fait marre. Même pour 2 mètres. C'est vraiment très... How did you fare on the hunt? I've brought you the boar skins and your lucky ring, Tang. All mother be praised. And you, of course. Where did you find it? Halfway down a boar's gullet. Not so lucky for the boar. I think I'll wear it around my neck from now on. Ouais, ce serait une bonne idée. Un petit feu là, comme ça, on pourra faire des voyages rapides. Quand on aura vraiment besoin. Je vais voir. Bon, je vais plus tard. Déjà, c'est de se rapprocher de Meridian. Cool. On va pas qu'on puisse trouver juste là. Du coup. Qui est petit ici. Hein. Allez, descend, descend, descend. Voilà. Oh, c'est vrai qu'on peut pirater les booters maintenant. Ça en jette. Pas mal de machines pour moi. Ouais.
C'est une guerre ici. Fleur de métal. C'est ça. Montre-leur que tu rigoles pas. Ça, c'est un autre jeu. Donc, pour une fleur de métal, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'était rare comme jeu. Ça va me donner un succès. Cher à mon tueur. Ouais, peu de camp découvert. Ouais, ah, oh, j'ai pas pris cette camp qui était tout là-haut. D'accord. Il y a des machines, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Site de machine délayée. Ouais, le coup à fait de camp. Here they come, corrupted washers. Alors, artisanat, capacité, je peux rien améliorer. Hey, let's go, on y va. Colline. So this is as high as we go. Okay. On va prendre le petit chemin qui est déjà fait. Camp de bandits est dedans. Okay, donc il y a un camp de bandits juste là. Juste là, le rythme. An old gate, broken long ago.
This was the Nora border, before the war with Akarja. Prisonnier. Petit sniper. Je veux plus voir que la blessure. Those strung up machine parts. An alarm signal. They've taken those travelers captive. This will stop them from sending the signal. You're coming with me. We're under attack! I'm looking right at her! I'm not leaving you in here. Et voilà. Camp de bandits dedans. Terminé. Le camp de violette, couvert, c'est nickel. On se range par là. Marchand, il n'y a rien que je peux vendre. Vendre. Je trouve des éclats. Oh. Ok. Intéresse pas. Alors 1%, 6, 7, 9. Ok. 5, 5, qu'est-ce que c'est la même chose? 5, 5, 7, 7, 26. Voilà. Dans l'inventaire. C'est la fin. Il y a encore quelque chose à ramasser sur le même.
chercher le cercle. Non, je vais chercher le cercle. Allez, on va se rapprocher de Meridian. Et on est justement sous une un peu plus en fait sur l'intermédiaire récolte. Donc justement, la personne va nous dire quel chemin prendre pour aller à Meridian. Meridian. C'est plus ça. Ouais, il est vraiment dans les états. Hein. Pêche. Voilà. Et là, ouais. Oh génial, un scorpion. Oh monture, oh t'as bien géré. J'ai choisi une bonne monture. Okay. Toi je te sauve la mise toi. Captain Ballon. West to Meridian. Meridian. The way of broken stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Ballon. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left, overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. Another triumph for Meridian. That's all there is. I heard you talking about trouble in Beneath Lands. Was that out loud? Ears must be getting worn down from all those long leg blasts. But you heard right. I'm fresh back from the cut. Looking for better scavenging and better shards. I guess you didn't find them up there? Not with the Banuke wailing about new machines and talking spirits and their purses frozen shut. What's a trade route without trade? It's just a route. Wow, profond. There's a trade route. I thought the Banuke kept to themselves. We Osaram and the Banuke are neighbors after all. What's a few mountain ranges between friends? I have some acquaintances out there, still trying to dig a living out of the ice, but they say nothing seems to stick. All the superstitious nonsense and rampaging machines aren't helping. What were these new machines and spirits? Honestly, I don't even know. Going by the number of Banuke funerals, I'd say the kind you turn away from. Not really my style. Well, if you reach my grand old age, you might prefer picking up after hunters in the Sundom. It's warmer, too. What is this place, the Cut? When the Karja took up swords and hacked away at the edge of Banuke land, they left the Cut behind. So a battleground from the war, like the valley outside the Sacred Land. Mm-hmm. Mountain pass in the far north and east will get you there. It's open to outlanders, hardy ones, like you. Just don't expect much of a welcome, especially not now.
New machines and talking spirits? I'm interested. Thought as much, just looking at you. Don't say you weren't warned. There's a slip of a trail through the northeastern mountains, past what we call the Necropole. You won't miss it. You'll find what passes for a town on the other side. Maybe someone there can talk you out of it. Maybe. Maybe not. Thanks for the information. Ce village là. D'accord. Oh, Sigma. Sigma aussi proche. Je peux faire gaffe avec ça. Au cœur des contrées gelées, explorer la plaie. On dirait l'extension, je pense que ça c'est à voir après. Niveau 30. Ça correspond bien à l'extension. Des marchands. Un balcon, ça doit être lui. Alors. Captain Ballon. Tête de l'emploi. The guard at the gate said you've been to Meridian recently. What can I expect on the trail? Nothing good. More machines all the time. And our scouts report corruption that way as well. So much for sealing things off. Keep to the roads. They're safe enough. No, after what you did at the gate, I'll wager you don't scare easy. It's a good quality. I could put it to use, if you don't mind a quick jaunt back east. I know it's bold of me to ask a favor after you just did one, but I can offer you answers in return. If there's anything you need to know about the Sundom. What do you need, Captain? I sent several patrols east when we got word of corrupted machines there. I'll let them confirm my fears, so I sealed the gates. But it looks like we left some men behind when they were closed. Waleed, tell them what happened. Machines attacked us near an abandoned Nora village, sir. Lakir told us to pull back. Then I lost sight of the others. Never seen a Nora woman before, soldier? Have some respect. Report to her, not to me. Lakir always stresses reporting back, so that's what I did. I felt terrible about leaving them behind. Now that the gates are open again, I can send someone after them. Can't you send more soldiers to find the missing men? What about Waleed here? Most Nora still don't take well to the sight of Karja armor. Officially, it's a risk to send patrols so close to your sacred land. I'd prefer not to do that again. But heading that way won't be a problem for you. Please say yes. What was that, soldier? Nothing, sir. Is there anything more you can tell me about the road to Meridian? Sun King Avad has devoted considerable resources to making it safe. But by the Sun's witness, it's been harder to control in peace than it was during the war. Machines grow more dangerous all the time. Add to that bandits and new reports of this corruption. We're stretched in to protect a few outposts like this one. As for everywhere else, well, travel at your own risk. What is this place exactly? Day Tower marks the eastern edge of Karja territory. A trading post, a way station. One with an ugly reputation among your people. During the reign of the last Sun King, many Nora were taken captive, then gathered here for transport to Meridian and sacrifice. But the Sun set on that. I was appointed by the Sun King Avad to make sure old Karja at this outpost show respect to the Nora. Where do things stand between your tribe and the Nora now? Sun King Avad wants peace. So do the matriarchs, I'm told. But old wounds are slow to mend, and both tribes are proud. My task is to make sure there are no further provocations from the Sundom, especially now after... Well, while your people recover from this terrible attack, I mean... What's Meridian like? It's a changed place. A living city. Nothing like it was during the rule of Sun King Juran. Avad, our new king, has done all he can to make sure of that. Slavery has been abolished. There's a new alliance with the Azaram. And the Sun Ring, where so many outlanders were killed, is now a memorial to the fallen. So the Karja are allied with the Azaram? Hard to believe, but it's true.
Mad Sun King Jiran raided the Azeroth for years. Avad managed to get them on his side. He had help, of course. Urzur and Eren played a part. Azeroth's siblings, bigger than life. They gathered an army to free Meridian. I marched with them, scaled the North Cliff with my men, and secured the Temple of the Sun. Sent Jiran's kestrels and priests packing. Now Azeroth are a common sight in the city. And a common sound, too. They sure bicker a lot. I'll see what I can do about your missing men. I will be grateful, but not as grateful as Walid. You hear that, lunkhead? You might be off the hook. Any word about our missing men? I'm still working on it. Did an Oseram named Olin come through here? Twice. He was part of the royal delegation to the Nora. When they passed through on the way, then back. And they brought back stories of a vicious attack on your people. My condolences, of course. Do you know where Olin is now? Not exactly. But he was on his way to Meridian. I'm certain of that. Everyone goes to Meridian. I need to go. Let me know if there's any news about those missing men. Information. Ah, mais c'est le même village qui a été massacré. Bon, on va faire un petit tour après on va aller à Meridian. Je sais pas si pour entrer à l'intérieur. C'est pas autorisé à l'intérieur de cet établissement. Oh là. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ouais, t'as tué pas de ménage en tout cas. Il me semblait que c'était là où j'avais pas pu récupérer mes modifs par terre, donc je vais pouvoir les récupérer du coup s'ils sont toujours là. Je suis pas sûr. Un grand sabre, un compteur. Je vais pas monter, je vais descendre. Bon, c'est parti. Ça, c'est bien. Parce qu'on discute maintenant. Now I know the kind of person I want to be watching you. One of the Karja soldiers fell here. Voilà. C'est ce qu'on nous a mis. The other soldiers must have retreated. But to where? Sur la piste. Another conscious soldier released his death came quickly. Can't be the helmet from the last Kurdish soldier.
Doctor. Someone nearly lost his head here, then ran off. Blood everywhere. A machine dragged something into the water here. But maybe he made it to that island. Au bord de l'eau, un truc. Si ça, ça sent pas le crocodile ou un autre animal qui... Pourquoi j'ai l'impression qu'il va y avoir des crocodiles? Voilà, voilà. Voilà! Putain! Je parle de crocodile, faut que j'ai un crocodile là. Ah! Ouais? Ouais, mais non! Ouais, mais non! Gel. Oh la vache, ça c'est du saut. C'était balèze. Oh, bah il m'a tué un poisson, merci. C'est gratuit. Il y en a encore un là-bas. Oh, là, combien d'alligators dans cette île? Obligé que c'était des crocodiles. Est-ce que vous avez d'arriver des crocodiles? Carapateur. Ouais, tu peux. Tu parles bien pour moi. Moi, je fais le plein de. Rabbit. Oula. C'est un petit peu extrême pour du lapin. Ça va, c'est des guetteurs. C'est pas des trucs comme...
Équilibre. Bah, j'étais là pour suivre des traces. Ok. I wasn't expecting to be found, especially not by a Nora. I wasn't expecting to find a half-clad Cargan soldier singing like a drunk. I apologize for my behavior. I thought I was dead. Come on. Your commander asked me to bring you back to Daytower. I refuse to be led back to my outpost by a Nora, like some prisoner. Fine. Go by yourself. Wait. Look. I got in a tussle with a snap moth. It ate the half of me that was armor and bow. The feet is still in the water. That explains the bow I found on its carcass. You defeated it? Alone? Imagine that. Do you want the bow or not? Thank you. I didn't want to die in foreign lands like my men. May the sun light their passing. Donc au final, on se trouve avec tout un escadron, il n'y en a qu'un. On va tenter le pack rapide. Hop! Bah du coup, j'ai perdu ma monture. Et par contre, j'en trouve une autre. C'est bizarre que je pourrais penser que dans la quête. Ok. 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 Zone de chasse. Ok. Bolin's trail leads to Meridian. When I catch him, he will talk. And he will pay for all the lives he's ruined. Oula, c'est quoi cet oiseau là-haut qui vole? Je sens que je me suis mis. Comme c'est les épreuves de chasse. D'accord. Qu'est-ce que... C'est énorme ces trucs. Il y a des taureaux. Piétineur. Ok. C'est rapide. Les oiseaux qui volent, des trucs. Eh ben dis donc. Ah, c'est quoi ça? Trouver le gardien de la zone de chasse. Ok, on s'en va.
Zone de chasse, ok, on se manque aussi. Ouais, je vais peut-être passer comme ça. Pas trop chercher celui-là. Côté c'est quoi, mais l'information sur toute la map ici. Un grand coup, 300 mètres, ça faut pas. Pas trop trop près de lui non plus parce que sinon je vais me taper les alligators. J'en ai déjà vu un sur le côté sortir là. Je prends un territoire alligator. Tirapateur, ok. Cet oiseau là-haut là. Ah, je vois le grand coup qui fait le tour. D'accord, il est au milieu de l'île de Carapate. Ok. Oh, ok. Te battre à distance, approche-toi. Oula. C'est du genre explosif, toi. All right, how am I getting up there? To your head. Oh, c'est pas vrai.
Mais moi je traverse en plein milieu de son territoire. L'intelligence même. Il est pas tout seul. Mettre en position. On arrive. Ah. Piratage, allez. On a un petit peu plus d'infos sur la carte. Quand si je veux faire un voyage rapide à part par là, le méridien il est là-bas. Il me reste 3 grands coups. 1, 2, 3. Peut-être 3, 4, je crois qu'il y en avait 6 des Sigma. Bon, tant pis. On est déjà ça, c'est une bonne partie qui a été découverte. Camp de bandits. Je ne savais pas déjà pour trouver une monture. Faille de cuivre. Ok, ils sont morts ça là.
développeur, ce qui va bien nous passer. C'est pas vraiment des calopeurs ça. Je ne pense pas que je puisse pirater ça. Alors, tout bien tout honneur, je ne vais pas le tester. Hein. Là on se trouve normalement. Pas loin du village. Prisonnier là-bas. Là je devrais. Y'a pas moyen de monter par là. Can't be too prepared. Ok. Ah, ici. Ah, ici. Je ne vois pas où le système d'alarme. J'ai fait d'artifice ce truc en fait. Donc, ça ne peut pas comme truc. On fasse ça vite, ok. Ça te mord un petit peu, toi. C'est sympa en tout cas. Je vous remercie de m'avoir laissé un petit peu balader dans
les inventaires. Hein. En fait, ils sont riches en ce camp. Ou pas de déplacement rapide, ça c'est vraiment très intéressant. Je vais faire du business moi. Donc j'ai fait la majorité, on va pouvoir finir le camp. Alors. Il a tiré ce qu'il veut. Je t'ai prévenu que j'arrivais carrément. C'est limite que j'ai fait un signal. Bon bah libéré hein. Tiens, tu tombes bien, t'as des trucs que je peux te vendre. Ah. Ressources. Voilà, donc déjà j'ai plus une partie, c'est cool. Voilà. Bon, je vais repartir, hein. Hop, c'est parti. C'est énorme, c'est quoi ça? Trop long. Ça fait quand même découvert. Ok. Alors on va couper, on va éviter. Un gueule de rage. Ah ouais, tu vas avoir un nom énorme. Vache. Question, hein. Alors on parle d'un truc assez forêt, vraiment désertique. Hein. C'est apparemment là-bas, on revient vraiment sur forêt. Et la délimitation est vraiment impressionnante. Voilà. Feu de camp, c'est cool.
marqué. Ah, comme ça, en même temps, ça monte de niveau. Merci. En tout cas, il y a une magnifique vue hein, sur les remparts de Méridien. Très belle la vue qu'ils ont. C'est vraiment une civilisation. Une vraie ville comparée à chez nous avec nos petites huttes là. Nos petites cabanes. Enfin arrivé à la capitale. Aaron said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. City's locked down on account of the murder. If this keeps up, I'll be broken a month. It's always the merchants. Who's not getting through, Outlander. Halt! Stop right there. In light of the recent attack. No stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy, you're alive. I thought you were dead. Make way, make way. All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Hmm? Not really. A little. So you're alive. This, we should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. Hmm. T'as entendu? Mon chef pourrait t'ordonner. Alone as you asked. And what did you want to tell me? I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around. I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. But why is it every time something terrible happens? Everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, so that makes it easier. Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? Il s'est gentil, il est méchant. A lot has happened since we last spoke. The proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back. Said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Owen. What are you talking about?
That doesn't make sense. I need to find Owen. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Owen is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents? Places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I need to see Olin's place. Now. Okay, okay. Come on. C'est qui va en route? Je te jure. Sure as the sun's rising, he's off courting that noble girl. So many people here all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. I just drink. C'est un remarqué qui picole, tu marches même pas le droit. Ouais, enfin oui, non. Who enslaved and tortured and butchered. Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister murdered and her death unavenged. One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself. Now get out of here or I'll give you all a kick in the ass. Dis Gérald. What did he mean about Ursa's murder? Not now. Ouais, si tu pouvais avancer un petit peu plus vite, ce serait génial. On va être là. Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. Other than the door. I was afraid all of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it? Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azeron make. Nothing gets through. We'll see about that. C'est marrant, il y a un peu dans le plafond. Looks big and heavy. Let's give it a little push. Comme par hasard, un truc de lingot ici. I did say not to break anything, didn't I? C'est tombé tout seul. Non, non. Okay. Obey or they kill his family.
looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. A map. The glyphs show places he visited. Ça me sera dans notre carte, non? There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you, through Olin. Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Carja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said? I'll see what I can do. Code et la crête aux joueurs sont juste à côté l'un de l'autre. Une fois que j'aurai fini deux, je pourrais me faire un petit détour vers le grand coup. On a tout pété. Heureusement qu'on a dit qu'on ferait aucun dégât. Nora, please, you're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and if only you'd use it to help me. A thief raided my home. Tell me about the robbery. It was brazen and professional. They took only the thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Why would someone steal the sword? It's priceless. Made from the burnished antler of a lancehorn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay, I get it. J'en ai compris. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who stranded at Sunfall with the... How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy backed the Mad Sun King. So when he fell, as an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with. Now that my brother is gone, my nephew is my heir. So that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. And listen, all I want is the sword back. Meridian, if I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. All right. No violence. What are they doing?
adventurers. Oi there, Outlander. Name's Vilgund. Oh, good shards. Enough to buy... Okay, stop there. I only meant to... I heard an interesting rumor about it. So I hired men to investigate. I paid up front. Well, half up front. So now you're hiring someone to find the last men you hired. There are So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name. They say the Banuk Bear live alongside machines. Peaceful as if it's true. If we learn how they do it, think how... When you say valuable, you mean they'd pay you. Girl. If I did look into... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. And you look like you know your way around the savage. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, payment on return. Je veux pas te payer d'avance la moitié. Comme ça, je vais faire autre chose après. Bon, je pense qu'on aurait fait tout le monde. Nora, I'm the mournful Naman. Like this. In grief. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Oh, no. I know about the Red Raids, but the Karja... I see. Well, these people seek to honor their loved, their lost, with their own, but there are obstacles. While Meridian holds its breath for any disturbance, these... If I could help, what must be done? The first pilgrim is an Asuran who seeks to visit the Shrine of Kings on Piwaster now, forbidden to enter by an old sun priest who suffered this. Utaru lost her companion on the edge of the jewel. At a pool where the shrine was built there to ward off the machines. And the Manu would paint a mark on the sun's climb. A call to the machine. They need no beckoning. Glinthawks perched there. So clear the machines out of two shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. I'll do what I can to honor their memories. Ok. Toi, ça m'a l'air d'être palpitant. Examiner, oui, les riches. Feu de camp. Hop. Oh, salut toi. Du bleu. Il y a 9 éclats, ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle... Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On a bien avancé, on a enfin arrivé à Meridian. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, jeux vidéo ou informatique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera plaisir et ça aidera à développer la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Ça aidera à développer la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt. Sayonara.